On est dans le chapitre 6. San Francisco, 17h, heure de l'Ouest. Une heure s'était écoulée depuis le moment où Ellen Harris avait fait part de sa découverte à son patron quant à l'emplacement géographique de Jessica Rabin. Après de multiples coups de téléphone, elle retourna enfin dans le bureau de Greg Raymark. Monsieur, j'ai passé un nombre considérable d'appels téléphoniques et elle est à la barbade, c'est confirmé. Il la laisse finir sa phrase, se rendant bien compte qu'à l'expression du visage de sa secrétaire, elle n'a pas de bonne nouvelle à lui donner. Oui, les caméras de surveillance de l'aéroport de Bridgetown l'ont clairement identifié. Des nouvelles de l'agent Wilson. Son cellulaire reste éteint. Allumez donc son traceur! Déconnecté, monsieur. En entendant ces nouvelles, Raymark se lève brusquement de son siège et va se placer en face de la fenêtre principale, donnant sur le jardin de la cour intérieure. C'est l'emplacement préféré de Mark pour se plonger dans ses réflexions importantes. Si je peux ajouter, monsieur, personne n'a eu de ses nouvelles depuis son passage dans mon bureau un peu plus tôt. Il n'est pas entré en contact avec l'agent qui était en charge de la surveillance de Mademoiselle Rider de Mark. Et c'est officiel maintenant, il n'a pas pris davantage la peine de la rejoindre sur la côte est. Embêté par la tournure que prennent les événements, inquiète de ce que cela peut signifier. Le directeur du département commence à être agité. L'espace d'un instant, il décide de suivre son message. Ellen, sortez-moi le dossier Mason. Je veux tout connaître de sa naissance. Entrez en contact avec mon bureau à Bridgetown, qu'il la trouve, qu'elle soit et qu'il me fasse part de ce qui se passe là-bas. Se tournant vers la secrétaire, il affiche cette fois un visage et je veux ça pour hier. Si vous avez besoin d'aide, faites le nécessaire. Il reste encore du monde dans les bureaux à cette heure de la journée. Au pire, faites-les revenir. Autre chose, appelez-moi son agent à New York, Sam Brown, et essayez de savoir s'il y a une raison professionnelle à sa présence à la Barbade. Genre un imprévu de dernière minute, comme savoir avec cette profession. Sans se faire prier, la secrétaire quitte le bureau et s'affaire à l'exécution de ses tâches. De nouveau seul, face à la fenêtre. Park se plonge dans ses pensées, réexaminant tous les éléments de l'affaire Ripley qu'il connaît par cœur. Le bureau d'investigation n'aime pas perdre le contact avec ses agents sur le terrain, et encore moins perdre la trace d'un de leurs témoins. Il s'agit pour l'instant de rester calme, d'agir avec efficacité et discrétion. Il aimerait bien comprendre, c'est la raison pour laquelle son agent a préféré lui cacher la vérité. Sache davantage lui-même, ça c'est encore pire. Quand on y pense, il y a vraiment quelque chose de troublant dans la vie de cette femme. La mort de ses parents reste inexpliquée. Elle qui manque de mourir d'un homme d'un homme, retrouvée peu de temps après, exécutée, une balle dans la tête et une autre dans la nuque. Sûrement un criminel ou un trafiquant. Ça ressemble à leur méthode d'exécution. Il y a beaucoup trop de zones d'ombre qui entourent la vie de Jessica Rabin. D'événements qui ne s'inscrivent pas dans la normalité. Comment se peut-il qu'on n'ait pas été capable de retrouver la moindre information substantielle sur ce fiancé? C'est quand même pas commun de balancer dans les veines un mélange regroupant différentes nouvelles drogues. Qui a tué cet homme? De quelle organisation criminelle faisait-il partie? Le patron d'Allen Harris avait la tête remplie de questions restant sans réponse. Quelque chose qu'il n'aime pas. Pas croire un instant que son fiancé était un drogué notoire, vulgaire dealer, et dans une crise de jalousie et voulu la tuer. Et pas la moindre doute sur le fait que depuis son retour sur terre américain, le danger s'est réactivé. Après tout, comme toutes ces années en Australie, il n'était rien arrivé. L'agressant son agent, encore un malheureux hasard. Ouais. Il y a autant de hasard dans cette affaire qu'il y a d'étoiles filantes en été. S'il dirige ce bureau, c'est pour son instinct qu'il n'a jamais trahi. Il n'aime pas cette presse à sensation. S'ils ont raison, et qu'ils soient présentement à la Barbade sans que Mason n'en ait souffert moins, il y a de sérieux problèmes. Gregory Bork essaie d'analyser la situation avec calme et discernement. Jamais personne n'a perdu la vie par négligence depuis qu'il est en poste, et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Merde, une actrice en plus.
presse ne va pas se gêner pour lyncher le bureau une fois de plus. S'il mettra la main sur Mason, il peut le voir faire du travail au bureau de Minnesota, finir sa carrière. Le courant qui est la grosse tête traîne dans ce milieu depuis trop longtemps. Bork se dit qu'il aurait dû changer d'affectation plus tôt. Une femme ne sait jamais rien. Au contraire, ces derniers temps, elle l'encense. Quelque chose qui va peut-être trouver un peu suspect. La presse leur attribue bien une raison. Le directeur du département des affaires internes ne tolère pas ce genre de comportement dans son équipe. C'est pas le club Med ici. C'est la première fois que Jessica y retourne depuis 15 ans. Elle n'a jamais pu établir clairement les causes de l'explosion du bateau. Un accident ou un meurtre? Trop difficile pour le bureau des légistes à l'époque. Suffisamment de preuves, de traces, de quoi que ce soit aujourd'hui. Comment être sûr? Il s'est passé trop de choses cette journée-là pour que tout petit planer. S'il devait lui arriver quelque chose, Grégory jure de le tuer de ses propres mains, cette imbécile. Rapide coup d'œil à la porte annonçait le retour d'Anna Harris qui, dès les premiers regards, signifia tout de suite que quelque chose n'est pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le dossier Besson, vous l'avez? C'est précisément à propos de ça, monsieur. Il semble qu'il y ait un accès limité au dossier. Ça ne fait pas l'autorisation. Trouvez pas ça bizarre? Un agent de terrain connu? Un accès limité? Vous en êtes sûr? Vous êtes encore fort, c'est quelqu'un m'a demandé que ce soit les bureaux de New York. C'est exactement celui de la secrétaire, monsieur Cathy, votre prédécesseur, qui m'a répondu. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Dans la réponse à la science. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le niveau d'autorisation pour y accéder. Il relève d'un code neuf. Elle m'a incité. Observe son patron. Devinant déjà sa réaction. Un code neuf? C'est quoi ces conneries? Depuis quand un simple agent est coté code neuf? Gregory Burke quitte la fenêtre et se dirige vers son bureau, où il s'assied dans le fauteuil reculé. D'un geste brusque, saisit le combiné du téléphone et compose le numéro. Attendant la communication, s'y nerveusement sur le plateau avec le bâtissant. Gregory Mark, j'appelle de San Francisco. Je souhaite m'entretenir avec Maxine Gazier. Je suis désolé, monsieur Mark, mais il vient d'entrer en ligne. Il en a pour plusieurs heures pour moi. Je suis Vega Lamas, la secrétaire particulière de monsieur Gazier. Est-ce que je peux vous aider? Je crois savoir que ma secrétaire s'est vue refuser l'accès au dossier d'un de mes agents. C'est exact. J'imagine qu'il ne me sert à rien de vous demander en personne de me faire parvenir ces documents si l'agent met ça avec côté neuf. Est-ce que je me trompe? C'est de rester gentil, il me semble que l'air bon. Dans ce cas, expliquez-moi comment un simple agent possède un code neuf. Comment se fait-il que moi, avec le poste que j'occupe, je ne puisse y avoir accès? Vous êtes classé vite, monsieur Paul. Vous êtes mignonne, mademoiselle Lamas. C'est madame Lamas. La secrétaire reste toujours honnête, mais à la limite de l'insolence. Alors, madame Lamas, est-ce que vous pouvez me répondre? Je ne fais qu'expliquer les règlements. Pourquoi du coup? Il ne me l'a pas donné, mais je suis certaine que monsieur Cathy se fera plaisir de répondre à votre question. Vous avez appris. Le secrétaire a raccroché sans attendre. Le directeur du département. Gregory Mark raccrocha lentement le combiné téléphonique. Grande inspiration. Il va devoir se calmer rapidement parce qu'il a la nette impression que les prochaines heures vont le faire grimper au rideau plus d'une fois. Il observe sa secrétaire qui reste perplexe. Ellen, vous allez me composer une poule d'équipe efficace, regrouper tout ce qu'on a de près ou de loin sur l'affaire. Jessica, secrétaire pensée note rapidement, la tête baissée. Depuis les parents, apprêtez-moi un avion, nous partons dans Bridgeton dans 2 heures. Bien, monsieur, tout nous sera à vous. Hélène lève les yeux vers son patron soucieuse pour empêcher une légère hésitation de passer sur son visage. Si vous y allez, j'imagine que c'est pas une bonne chose.
moment, je ne sais pas encore, mais ce qui est sûrement pas pour la journée, ça. C'est moi à présent, j'ai des appels à passer et à régler la papasse. Sans se faire prier, la secrétaire quitte le bureau et fait le nécessaire pour répondre aux attentes de Mark, malgré le peu de temps qu'elle a devant elle. Il s'agit presque d'une course contre la montre pour réunir tous les documents, composer une équipe d'analystes et affréter un jet privé.